السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 21 Shawwal 1433 de l'Hégire, correspondant au 8 septembre 2012, bi'idhnillahi ta'ala. Toujours avec Riyad Salihin, tome 1, et le hadith numéro 60. Nous sommes, inshallah ta'ala, au cours numéro 69. Al-Muhim. Nous sommes donc toujours au hadith numéro 60, c'est-à-dire le hadith très connu de Jibril, qui est venu sous forme humaine et a posé quelques questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres, yani, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, informe-moi, c'est quoi la vertu, informe-moi c'est quand la fin du monde, etc. Le hadith très connu. Donc, on a expliqué c'était quoi Shahadun la ilaha illallah, c'était quoi Shahadun Muhammadun Abduhu Rasulou, et on était à la salat. On avait commencé par le wudu, on a parlé beaucoup de choses dans la salat. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah va parler de la salat, yani celui qui ne la fait pas, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir. Et bien sûr, il a dit que celui qui ne la fait pas, car il ne reconnaît pas son statut, il est kafir. Mais celui qui ne la fait pas, en reconnaissant son statut, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir, il y a là, comme vous savez, une grande divergence. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis qui dit qu'il est kafir. L'avis qui dit qu'il est kafir, il a donné quelques dalils, tayyib. Donc ça, inshallah ta'ala, je vais le sauter, mais J'ai résumé qu'il y avait une divergence en cela et que yani, certains disent il est kafir, certains disent il n'est pas kafir. Retenez seulement cette chose, c'est très important, c'est que l'avis des quatre grands imams, des quatre grands rites, Imam Malik et Shafi'i et Abu Hanifa et Ahmed aussi, dans une deuxième version, disent qu'il n'est pas kafir s'il la délaisse par paresse. Al-Muhim. Ensuite, ça parle de donc salat, ensuite ça parle de zakat. La zakat, je vais sauter la zakat parce que ça viendra tout seul dans un cours de la zakat, dans le fiqh, surtout que le cheikh ensuite va parler de la zakat, yani des animaux, etc. Ce qui yani, n'est pas, c'est-à-dire chose qu'on ne vit pas maintenant beaucoup, c'est-à-dire c'est pour les fermiers, pour les compagnards, pour. Al-Muhim, ensuite il va parler du Siyam. Naam, Siyam. Donc le Siyam aussi, je vais le sauter parce qu'on vient juste de sortir du Siyam. Et, yani, alhamdoulilah, dans le site aussi, il y a beaucoup de choses sur le Siyam. Naam. Et chaque année, on fait, quand le Ramadan approche, on parle du Siyam. Donc on voudrait des choses nouvelles, inshallah ta'ala, que Cheikh a cité. Ensuite, le cinquième pilier, comme vous savez, il a dit Hajj al-Bayt. Hajj al-Bayt, le fait d'aller faire le Hajj. Donc ici, inshallah ta'ala, on va commencer à lire. Le Cheikh a dit wa huwa baytullah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Hajj al-Bayt, c'est-à-dire c'est quelle maison? Il a dit la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ay qasduhu li ada'i al-manasik allati bayyanaha Allah subhanahu fi kitabihi wa ala lisani nabiyyi sallam. Il a dit, c'est-à-dire quand on va vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la Mecque, pour le Hajj, il a dit pourquoi on y va? C'est pas pour se promener, mais on y va pour faire des adorations spéciales que Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans son livre et que son messager alayhi sallam a montré dans sa sunna. Tayyib. Fa hajju al-bayti ahadu arkani al-islam. Faire le Hajj, naam, c'est un des piliers de l'islam. Wa min hajji al-bayt al-umra. Mais ça rentre dans le fait
de faire le Hajj, de faire aussi la Umrah, de faire aussi la Umrah. Car la Umrah, comme vous savez, elle est obligatoire. Pourquoi elle rentre dans le Hajj? Car le prophète alayhi salam a appelé la Umrah le petit Hajj. Donc il y a le grand Hajj et le petit Hajj. Le petit Hajj, c'est quoi? C'est la Umrah. D'ailleurs, quand on va au Hajj, on commence par la Umrah, comme vous savez, yani, d'après l'avis le plus fort, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, walakin lahu shurut. Il a dit, mais le Hajj, il a quoi? Il a des shurut. Des shurut, ça veut dire, il a des conditions. Le Hajj a des conditions. Il va citer, inshallah ta'ala, les conditions. C'est très rare, une seconde, je vais ouvrir des taïeb. Shurut. Minha, parmi les conditions de boulour, la puberté. Quelqu'un qui n'est pas pubère, c'est pas obligé pour lui qu'il aille au Hajj. Naam. Et entre parenthèses, quand on prend un enfant qui n'est pas pubère au Hajj, apprenez cette chose, on lui demande de faire ce qu'on fait. Il doit faire ce que fait quelqu'un qui est pubère. Mais seulement la différence, c'est que quand il ne fait pas une chose, on ne va pas lui dire va la refaire. Ni on va lui dire tu dois égorger un mouton, par exemple. Vous avez compris? Mais si c'est nous, non. Si on peut la refaire, on la refait. Si on ne peut pas, yani, ça demande par exemple un égorgement, on doit égorger. Mais pour celui qui n'est pas pubère, non. On lui dit par exemple, il faut tourner autour de la Kaaba 7 fois. Quand il arrive à l'hôtel, il dit, moi j'ai tourné seulement 5 fois. On ne va pas lui dire, non, donc tu dois refaire. Vous avez compris? Donc, on lui ordonne de faire comme nous, mais quand il se trompe et il oublie, etc., on ne lui demande pas de refaire. Il faut apprendre ça, Inch'Allah Ta'ala. Bon, d'abord, la puberté. Ensuite, la raison. Deuxième condition. Quelqu'un qui est fou, par exemple, le Hajj n'est pas obligatoire pour lui. Ou l'islam. Avant cela, l'islam. Quelqu'un qui est mécréant, le Hajj n'est pas obligatoire pour lui. Ou l'hurriya. L'hurriya. La liberté. Quelqu'un qui est toujours sous l'esclavage, c'est pas obligé pour lui le Hajj. D'ailleurs, l'esclave ne peut même pas aller à la Jumu'ah. La salat, la prière de la Jumu'ah, il ne la fait pas s'il ne demande pas la permission. Permission à son maître. Ou l'istita'a. L'istita'a, c'est-à-dire, disons, la capacité. La capacité. Si on n'a pas la capacité, on ne va pas au Hajj. Et rentre dans la capacité, le cheikh ici ne le dit pas, c'est moi qui le dis. Rentre dans la capacité, le fait de trouver un mahram pour la femme. La femme, même si elle a les moyens d'aller au Hajj, elle a les capacités, par exemple matérielles, elle a l'argent, elle a la capacité physique, elle n'est ni malade ni rien, mais elle n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un, un proche avec lequel elle ne peut pas se marier. Ça s'appelle un mahram. Elle ne l'a pas. Donc celle-là, on dit d'elle, elle n'a pas la capacité. Celle-là, elle est excusée pour ne pas avoir fait le Hajj. Il a dit khamsat shurut. Il a dit donc ces 5 conditions. Fa'idha ikhtalla shartun wahidun minha fa'innahu la yajib. Il a dit si jamais il manque seulement une condition de ces 5, donc le Hajj n'est plus obligatoire. Walakin al-'ajz 'an al-Hajj in kana bil-mali fa'innahu la yajib 'alayh. Il a dit maintenant l'incapacité. On va parler de l'incapacité quand quelqu'un n'a pas de capacité. Il a dit quand quelqu'un n'a pas de capacité. Ou bien c'est matériel, ou bien c'est physique. Il a dit, maintenant, si c'est matériel, par exemple, il n'a pas d'argent pour aller au Hajj, pour le voyage. Il a dit, dans ce cas, ce n'est plus obligatoire. Ce n'est plus obligatoire, ni personnellement, ni en déléguant quelqu'un. Ni en déléguant quelqu'un. Pourquoi? Moi, je n'ai pas d'argent pour faire le Hajj. Comment vais-je déléguer quelqu'un pour qu'il aille à ma place? Vous avez compris? Si j'avais de l'argent, c'est moi qui serais parti, j'aurais pas envoyé quelqu'un à ma place. Donc, celui qui n'a pas d'argent pour payer le voyage, ce n'est obligatoire ni pour lui, ni pour celui, ni pour son remplaçant. Wa in kana bil badan. Mais si jamais maintenant l'incapacité, elle est physique, pas matérielle. فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع. Maintenant, si c'est une incapacité physique, on va voir aussi. Est-ce que cette incapacité, c'est du genre
yani qui va passer et de laquelle on va guérir, par exemple, si c'est une maladie. Si c'est ainsi, on doit attendre. On doit attendre jusqu'à ce qu'on guérisse pour qu'on puisse, par exemple, voyager, prendre l'avion, etc. Ou alors aller à pied, si on n'est pas loin. Mais, wa in kana la yurja zawaluhu kal kibar, fa'innahu yilzamuhu an yuniba anhu man yatiya bil hajj. Mais si jamais maintenant cette incapacité n'est pas du genre qui va passer, c'est une incapacité qui va rester tout le temps avec nous. On est infirme, par exemple, pour de bon. Ou bien, on est âgé, très âgé. Quelqu'un qui a 90 ans, c'est pas une chose qui va passer, il ne va pas redevenir jeune. C'est quelque chose qui va rester toujours avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'est ainsi, dans ce cas, fayelzamuhu. يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج. Dans ce cas, c'est obligé pour la personne qu'elle charge une autre personne pour qu'elle aille à sa place. Pourquoi? Car l'incapacité ici n'est pas matérielle. C'est pas question d'argent. L'argent, je l'ai. Mais c'est une incapacité physique. Mais je peux pas aller à cause de, yani, ça, physiquement, je peux pas. Et c'est pas Je n'ai pas un problème qui va passer, mais un problème qui va rester toujours avec moi. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai l'argent, alhamdoulillah, je dois déléguer une personne pour qu'elle aille à ma place au Hajj. Pourquoi? Parce qu'une femme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue lui dire, elle lui a dit, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, إن أبي أدركته فريضة الحج على عباده شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. Elle a dit, يا رسول الله, mon père, maintenant l'obligation du Hajj est arrivée, alors que il est très âgé, il peut même pas se maintenir sur la monture. Si on le fait monter sur une monture, il va tomber. Est-ce que je vais au Hajj à sa place? Pas la naam. Il a dit oui. Va à la place de ton père, qui ne peut pas se maintenir sur la monture. Donc, le Cheikh a dit, Cheikh Ibn Al-Othaymin l'a dit, فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهَا سَمَّتْ هَذَا فَرِيضَةً مَعَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ. Le Cheikh a dit, donc le prophète a approuvé ce qu'a dit la femme quand elle a dit que le Hajj était une obligation pour son père, malgré qu'il était, yani qu'il ne se maintenait pas sur la monture. C'est-à-dire que le prophète a approuvé quand la femme a dit que le Hajj est obligatoire pour son père, alors que quoi? Alors que yani. Donc, malgré avec l'incapacité physique, le prophète lui a dit, donc, quand elle a dit je vais à sa place, il a dit oui. Va à sa place. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens. Il a les moyens. Qu'est-ce qu'il a ici? Il a la monture, par exemple. Donc, on doit partir à la place de quelqu'un, ou bien nous-mêmes, on doit déléguer quelqu'un pour qu'il aille à notre place, si quoi? Si on a les moyens et que nous-mêmes, on ne peut pas y aller. Ici, j'ouvre une parenthèse que Cheikh n'a pas citée, parce que ce n'est pas un cours de fiqh, c'est pour ça qu'il n'a pas cité. Que pour déléguer quelqu'un à notre place, il faut que cette personne n'ait pas encore, il faut que cette personne ait fait le Hajj. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à ma place si cette personne n'a pas encore fait le Hajj pour elle-même. Vous avez compris? Ensuite, autre chose qu'on peut dire ici. Quand j'envoie quelqu'un à ma place, c'est pas la peine qu'il soit du même, c'est-à-dire du même sexe que moi. Par exemple, si moi je suis un homme, c'est pas obligé qu'il soit lui un homme. Non, moi je suis un homme et je peux envoyer une femme à ma place au Hajj. Vous avez compris? Je peux envoyer ma voisine, elle va à ma place au Hajj. Et le contraire, je suis une femme et je vais envoyer un homme. C'est pas obligé que j'envoie une femme parce que je suis une femme. Allez. Autre chose aussi, il y a une faïda aussi. C'est pas obligé aussi d'envoyer la personne du même endroit où je suis. Vous avez compris? Moi je suis en Algérie. Et il y a quelqu'un que je connais qui habite par exemple à Médine, ou bien au Koweït, ou je ne sais où. Hein? Je l'envoie à ma place, je lui dis est-ce que tu peux aller à ma place et je te paye le voyage, etc.
et il part à ma place. C'est pas obligé qu'il soit au même endroit où j'habite moi. Donc, même s'il y a à 5 mètres où il habite à la Mecque, il peut. L'essentiel, j'ai trouvé quelqu'un qui remplit les conditions. C'est quoi les conditions? C'est que il ait fait le Hajj lui-même. Il faut qu'il ait fait son Hajj à cause du hadith de Shubruma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu quelqu'un tourner autour de la Kaaba, faire le Hajj et dire Labbayk, Labbayk Allahumma Hajjan an Shubruma. Labbayk Allah et Allah subhanahu wa ta'ala accepté de moi le Hajj pour Shubruma. Le prophète Hassan lui a dit, c'est qui Shubruma? Shubruma, c'est un prénom. Il lui a dit, c'est mon frère ou un proche. Ou un proche, c'est pas la personne qui a répondu comme ça. Mais c'est les rapporteurs qui ont dit, ils ont dit, ou bien il a dit un frère, ou bien il a dit un proche. On se rappelle pas très bien. Le professeur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Hajja an nafsik, thumma an Shubruma. Fais le Hajj d'abord pour toi-même, ensuite pour Shubruma. Et que je n'ai jamais lu, Alhamdulillah. Il a dit, quand on veut déléguer quelqu'un au Hajj, il a dit, il faut comme condition qu'il ait fait le Hajj. Bon. Il a dit, mais la personne qui n'a pas les moyens d'aller au Hajj, une personne très pauvre par exemple, qui n'a pas les moyens d'aller au Hajj, et n'a pas fait le Hajj, il a dit, cette personne, on peut la déléguer. Subhanallah l'adhim. Si on va dire comment, le hadith a dit non. Il a dit, il faut que tu fasses d'abord le Hajj pour que tu puisses faire à la place d'un autre. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, justement, une personne qui est très pauvre, naam, elle, la personne qui est très pauvre, c'est comme si elle n'existait pas. Non, elle ne peut pas faire le Hajj. Mais, quand c'est interdit de faire le Hajj à la place d'une autre, on a les moyens, on ne l'a pas fait. J'ai les moyens, je ne vais pas au Hajj. Ensuite, il y a quelqu'un qui veut me déléguer. Je ne peux pas. Il faut que je commence par moi-même ensuite pour faire le bien aux autres. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen dit, si jamais il y a une personne qui n'a jamais fait le Hajj, mais vraiment pauvre, elle ne peut pas faire le Hajj. Mais on la délègue, il a dit c'est possible. Vous avez compris? Elle peut pas y aller pour elle. Donc autant qu'elle fasse le bien pour une autre personne. C'est pas comme la personne qui a et qui ne peut pas. Muslim, est-ce que c'est compris ça ou là c'est pas bien compris? Est-ce que c'est compris cette faïda ou là c'est pas compris? Naam, cher. Ah, alhamdoulillah. Cette faïda, je l'ai jamais lue, sauf dans un des livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Donc le cheikh dit, هذه خمسة أركان من أركان الإسلام. Cheikh dit, voilà les cinq piliers de l'islam. Voilà les cinq piliers de l'islam. Il a dit, شهادة لا إله إلا الله. Nam, attester que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite l'adoration. Il a dit, شهادة لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله. Il a dit, et faire la salat, s'acquitter de la zakat, jeûner le ramadan et hajjul bayt, et faire le hajj pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et peut-être vous entendez avec moi ici, c'est l'adhan de Salat l'Isha. On va, inshallah ta'ala, se rencontrer après la salat. Mais cette fois, inshallah ta'ala, on va pas commencer direct par les questions-réponses, mais on va avancer encore au moins une demi-heure, inshallah ta'ala, dans le cours. Car on a fait seulement, yani, à peine 20 minutes. C'est pour ça qu'on doit ajouter, inshallah ta'ala, au moins une demi-heure. Donc, d'ici tout à l'heure, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et ma'lish, pour ceux qui ont déjà des questions sur ce que j'ai dit, ils les préparent. Ceux qui ont des questions sur ce que je viens de dire là, qu'ils les préparent, inshallah ta'ala. Et tu commences à les prendre, inshallah ta'ala. Naam. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, on termine, inshallah ta'ala. Et c'est pourquoi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai sauté. J'ai sauté la zakat, etc., le siyam, etc. Parce que maintenant, il va parler d'aqida. Comme ça, c'est très important, donc la aqida. Naam. Ensuite, je dis alayka salam pour Fawzi du 30. Donc, فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك. Ensuite, جبريل a dit au prophète صلى الله عليه وسلم quand il lui a répondu à ses questions. Il lui a dit صدقت. صدقت, c'est-à-dire tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Il l'a approuvé.
فقال عمر أو عمر مخطب أدي فعجبنا له يسأله ويصدقه عمر رضي الله تعالى عنه أدي on s'est étonné de cette personne. Elle demande, elle pose des questions, ensuite elle dit, après la réponse, elle dit, tu as dit vrai. Cheikh bin Uthaymin, il a dit, لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك. Il a dit, car la personne, quand elle pose une question, ensuite on lui répond, et la personne dit, tu as dit vrai, il a dit, ça veut dire que la personne qui a posé la question, elle a yani cette science, elle connaît la réponse. Elle connaît la réponse. Il a dit, فَعَجِبْنَا كَيْفَ يَسْأَلُوا ثُمَّ يَقُولْ صَدَقْتَ. On s'est étonné comment, d'un côté, il pose la question, et de l'autre, il dit, tu as dit vrai. وَسَائِلُوا إِذَا أُجِيبَا يَقُولُوا فَهِمْتَ لَا يَقُولْ صَدَقْتَ. Le cheikh dit, car la personne qui pose la question, normalement, quand on lui répond, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai compris. Et elle dit pas, tu as dit vrai. Vous avez compris? Quand je pose une question à quelqu'un, et il me répond, je lui dis, barakallahu fik, j'ai compris. Mais je lui dis pas, tu as dit vrai. Si je lui dis, tu as dit vrai, ça veut dire que je connaissais la réponse. طيب, لكن جبريل عليه السلام عنده علم بهذا. Le cheikh dit donc, c'est une preuve que Jibril alayhi salam connaissait déjà la réponse. Connaissait déjà la réponse. Naam. C'est pour ça qu'il lui disait, tu as dit vrai. Je vous donne ici une faïda que le cheikh n'a pas citée, rahimahullah. Certains savants ont pris de là, ont pris du fait que Jibril pose la question et quand on lui répond, il dit c'est vrai, tu as dit vrai. Et certains savants ont pris de là que yani c'est possible qu'on connaisse la réponse d'une question et que malgré cela, on pose la question pour que les autres apprennent. Vous avez compris? C'est possible que tu sois dans une mosquée par exemple ou bien dans une assise et que tu poses une question à quelqu'un alors que tu connais la réponse. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour que les autres apprennent. Car Jibril alayhi salam, quand il posait les trois questions, c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi la vertu, il connaissait la réponse. Mais c'est pour que les gens qui sont assis apprennent. Et certains savants ont pris aussi de cette chose-là. Ils ont pris une autre faïda, ils ont dit, attendez, c'est quoi la faïda, ils ont dit, naam. Ils ont dit, quand Jibril est parti, naam, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est Jibril, il est venu pour vous apprendre votre religion, ou là, pour vous apprendre la religion. Certains ont pris la faïda que quoi? Que celui qui pose des questions, et si les questions sont vraiment, elles ont le niveau, il a dit, on peut dire de lui, il est en train d'apprendre aux gens. Même si tu n'as rien dit, tu as seulement posé la question. Mais si la question est, mashallah, on peut dire de toi que tu es quelqu'un qui apprend, yani, aux gens. Alors que tu n'as posé qu'une question. Mais mashallah, la question que tu as posée, regardez, yani, qu'est-ce que ça va donner, yani, comme résultat et comme fruit. Ensuite, Jibril alayhi salam a dit, akhbirni an al-iman. Informe-moi de la foi, de la croyance. Cheikh dit, quand je dis cheikh, c'est Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou. Cheikh dit, al-iman mahalluhu al-qalb. Il a dit, la foi, son emplacement, c'est le cœur. La foi, son emplacement, c'est le cœur. Al-islam mahalluhu al-jawarih. Quant à l'islam, son emplacement, c'est yani, ce qui est extérieur, al-jawarih. C'est les mains, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est les pieds. L'islam, la foi, l'iman, se trouve dans le cœur. Et l'islam se trouve dans les apparences. Dans les apparences. Naam. C'est-à-dire que l'iman, on ne peut pas le voir. Il est caché dans le cœur. Mais il se traduit par l'islam. Il se traduit par ce qui est extérieur. Tu fais la salat, c'est extérieur. Tu vas au hajj, c'est extérieur, c'est islam. Femme, tu fais la salat, c'est islam. Tu fais dans la zakat, c'est islam. Pourquoi? C'est extérieur. Tu dis de bonnes choses avec ta bouche, c'est islam. Tu vois avec tes yeux les choses halal, c'est islam. Donc tout ce qui est apparent, et ça rentre dans l'adoration, ça s'appelle islam. Ce qu'il y a dans le cœur, ça s'appelle iman. Le shir dit, fil iman, huwa a'tiqadu l'insani li shay'i. اعتقاد الإنسان لشيء اعتقادا جازما به لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال.
l'iman, la croyance ou bien la foi, c'est le fait d'attester avec son cœur, yani d'une façon, yani avec certitude, de sorte que ni doute, ni probabilité ne peuvent entacher cette conviction. Non. Ni doute, ni probabilité. C'est possible ceci, c'est possible cela. Non. Bel yu'minu bihi kama yu'minu bi shams fi rabi'at an-nahar la yuntarafih. Par contre, ou mieux encore, non, la foi doit être de sorte que, non, si on la ressemble à quelque chose, on la ressemble, par exemple, à la foi au soleil. Le soleil en plein jour. Est-ce que quelqu'un peut avoir des doutes? Il dit, je ne sais pas si c'est le soleil, ou si c'est un nuage, ou bien si c'est un astre, un autre astre, ou bien si c'est une étoile, ou bien c'est une montagne, ou là c'est quoi ça, je ne sais pas. Non, quand quelqu'un voit le soleil, il peut jurer par Allah, tel le Tout-Puissant, que c'est le soleil. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, que ma femme est divorcée si ce n'est pas le soleil. Je le vois, subhanallah, il est au-dessus de ma tête, jaune, rond. Quand je lève mes yeux, ça me fait même mal aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Comment c'est pas le soleil? Il a dit, c'est comme ça la foi. Tu as quelque chose, tu es sûr, ça ne bouge jamais. Ça ne bouge jamais ton cœur. Il a dit, فهو إقرار جازم لا يلحقه. Il a dit, c'est quelque chose, l'âme, qu'on a, comme je viens de dire maintenant, dans le cœur, qu'on a avec certitude. Et cette chose, non seulement on l'a, mais elle pousse. Elle pousse à quoi? À, yani, accepter et à aussi, à, yani, comment qu'on dit, à faire ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'iman, c'est pas seulement une chose que tu as dans le cœur comme un sentiment, mais c'est quelque chose qui te pousse à accepter et à quoi? Et à appliquer aussi, à appliquer ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps que tu peux, tant que tu peux, tant que tu peux. Non. Il a dit, wahadihi, et attendez, il n'a pas terminé. Donc il a dit, faqala lahu, il lui a dit, l'iman, la foi et la croyance, que tu crois en Allah Ta'ala, en ses anges, deux, ses livres, trois, ses messagers, quatre, ou l'yawm al-akhir, le dernier jour, le jour de la résurrection, cinq, ou tu'min bil qadari khayri wa sharri, et sixièmement, tu dois croire à, yani, la destinée, ou là au destin, ce qui comporte comme bien et ce qui comporte comme mal. Ce n'est pas tu crois en destin, mais seulement en les choses qui sont bien. Mais croire aussi que les choses qui font mal ont été prédestinées, comme les malheurs et les problèmes et les mashakil. Non. Tout ce qui arrive comme malheur, tu dois aussi croire que ça rentre aussi dans la prédestination. Il a dit, hadi sittatu arkan hiya arkanul iman. Ces six piliers qu'on vient de citer, il a dit, ce sont les piliers de la foi. Ensuite, il a commencé à détailler. Il a dit, le premier pilier, an tu'mina billah. Le premier pilier, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, an tu'mina billahi subhanahu wa ta'ala, annahu mawjoud. D'abord, rentre dans le fait de croire en Allah, c'est de croire qu'il existe. Car si tu dis qu'Allah Ta'ala n'existe pas, donc c'est tout à fait, yani, contradictoire avec le fait de croire en Allah. Donc croire en Allah, ça implique d'abord que tu crois qu'il existe. Hay, que tu crois qu'il est vivant. Car si tu dis que je crois que Allah existe, mais maintenant il n'est plus vivant, il est mort. Donc ça, c'est pas la véritable croyance. Croire qu'il existe, qu'il est vivant, alim, alim, qu'il est omniscient, qu'il sait tout, subhanahu wa ta'ala, qu'il sait tout,
subhanahu wa ta'ala, Qadir, Qadir, qu'il est omnipotent, capable de tout. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et croire aussi, annahu azza wa jal, rabbul alamin, qu'il est subhanahu wa ta'ala, le seigneur des mondes. Naam. La rabba siwa, pas de seigneurie à part lui. Wa anna lahu al-mulk al-mutlaq. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a la royauté absolue. Absolue. Tout lui appartient. Tout. Tout. Tout lui appartient. Wa lahu al-hamdu al-mutlaq. Il a la louange absolue. Wa ilayhi yarji'u al-amru kulluh. Tu dois croire aussi que tout lui revient. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Toute affaire, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiqu lil-ibadati la yastahiqu ahadun siwa. Et que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, auquel on doit vouer, naam, yani l'adoration. On doit lui donner une exclusivité dans l'adoration. Wa annahu huwa alladhi 'alayhi at-tuklan. Et que c'est à lui, Azza wa Jal, qu'on se remet dans toutes nos affaires. Dans toutes nos affaires, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on revient, qu'on se remet. Wa minhu an-nasr wat-tawfiq. Et c'est lui qui donne la victoire. La victoire. Naam. Wa annahu muttasif bi kulli sifati al-kamal 'ala wajhin la yumathilu sifat al-makhluqin. Et que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, c'est lui, naam, qui est décrit par tous les attributs, les plus beaux attributs, et que tous ces attributs jamais, yani, ne ressemblent aux attributs de ces créatures, et qu'aucune créature ne peut avoir un attribut, yani, comme un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les attributs peuvent se ressembler dans les noms. On dit que Allah est vivant, moi je suis vivant. Allah entend, moi j'entends. Allah a deux mains, moi j'ai deux mains. Mais seulement dans les noms. Pas dans la réalité. Ça ne peut pas être la même chose. Sinon, donc, on est à pied d'égalité, vous avez compris. Il a dit, Idan, Idan, tu'minu bi wujudillah. Donc, tu crois en l'existence d'Allah Ta'ala. Wa bi rububiyatihi, en sa seigneurie. Wa uluhiyatihi, en sa divinité. Wa asma'ihi wa sifatihi, en ses noms et en ses attributs. La budda min hada, ça c'est obligatoire. Fa man ankara wujud Allah fa huwa kafir. Si maintenant va renier l'existence d'Allah, donc cette personne est quoi? Kafir. Il est kafir. Mukhallad fi an-nar, va rester éternellement en enfer. وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فَهُوَ كَافِرٌ. La même chose pour celui qui croit, c'est pas qu'il renie l'existence, mais il a des doutes. Il a des doutes. Est-ce qu'il existe, il n'existe pas? Des fois il se dit il existe, et dans d'autres moments il dit il n'existe pas. Il a des doutes. Celui-là, la même chose. C'est un mécréant, c'est éternellement en enfer. La Bouddha. Il a dit car, لأنه لا بد في الإيمان من الجزم بأن الله تعالى حي عليم قادر موجود. Il a dit car il faut la certitude et la conviction. Il faut la certitude et la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala existe, qu'il est vivant, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent. نعم. ومن شك في ربوبيته فإنه كافر. Si quelqu'un aussi va douter dans sa seigneurie, il est aussi kafir. وَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ أَحَدٌ فِي رُبُوبِيَتِ فَوْكَ. Et si quelqu'un va associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, va associer dans sa seigneurie, il est kafir. Naam. La même chose. وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْأَوْلِيَ يُدَبِّرُونَ الْكَوْنَ. Par exemple, si quelqu'un va dire, quelqu'un va poser la question, il a dit comment, par exemple, comment on peut associer dans la seigneurie. Naam. Comment on peut associer dans la seigneurie? On associe
dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit par exemple qu'il y a autre qu'Allah ta'ala qui par exemple peut régir l'univers, peut régir le monde. Et on va dire qu'il y a quelqu'un qui par exemple a de l'influence ou bien a de l'impact, a un impact sur le soleil. On connaît quelqu'un dans le quartier par exemple qui peut faire avancer le soleil ou bien peut le retarder ou bien peut faire tomber la pluie ou bien peut empêcher la pluie de tomber. Vous avez compris? Ou bien il a une influence sur la lune ou bien sur enfin dans l'univers. Si quelqu'un dit à quelqu'un qui a une influence aussi petite qu'elle soit dans une chose de l'univers, il a associé quelque chose à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose par exemple, si quelqu'un dit il y a des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont l'impact sur l'univers, ensuite il va par exemple, il va quoi? Il va leur faire des doigts en leur demandant par exemple qu'il lui donne la victoire ou ceci ou cela. Celui-ci, il est aussi kafir. Kafir. Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a pas donné yani ce qu'on doit lui donner dans la seigneurie et aussi dans la divinité. Et aussi dans sa divinité. La même chose pour si quelqu'un, par exemple, quelqu'un va, yani, par exemple, faire une prosternation à une autre personne. Ou bien va faire une prosternation au soleil. Ou bien à la lune. Ou bien à un arbre. Ou bien à la mer. Ou bien à un lac, une rivière. Ou bien une montagne, ou bien un roi, ou bien un messager aussi, un prophète, il lui fait une prosternation, ou bien un élu, il a dit, fahwa kafir, kafir, kufran mukhrijan an millah. Il est devenu kafir d'un kufr qui l'a fait sortir de l'islam. Parce qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre créature, ou bien création. وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر لأنه مكذب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il a dit la même chose si quelqu'un va renier un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit il devient kafir à condition qu'il renie disons du côté de quoi? Du côté de yani, il dément. Il dément. Je vais expliquer cela. فَإِذَا أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَةِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّكْذِيبِ فَهُوَ كَافِرٌ. Si quelqu'un, par exemple, on lui dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus du trône. Allah ta'ala est le plus haut, il se trouve au-dessus du trône. Il dément. Il dit non. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Allah Ta'ala ne se trouve pas au-dessus du trône. Il a dit dans ce cas, il devient kafir. Non, il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Pourquoi? Il a renié l'attribut de l'établissement du trône. Yani, il l'a renié d'une façon en disant que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Par contre, si jamais il renie ce même attribut, par exemple, qui est l'établissement au-dessus du trône, mais par interprétation, c'est pas, il le dément, c'est pas, il dit, c'est pas vrai, c'est un mensonge, mais il interprète, il a une interprétation. Maintenant qu'il a une interprétation, il a interprété, on va voir, ça se divise en deux, l'interprétation dans les attributs et les noms d'Allah, ça se divise en deux, on va voir. Est-ce que هل تأويله سائر يمكن أن يكون محلا لاجتهاد وسائر في اللغة أو لا؟ فإن كان سائرا فإنه لا يكفر لكن يفسق. أما إن لم يكن سائرا فهو يكفر. Comment cela? Je résume d'abord. Si quelqu'un renie un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir. Est-ce qu'il a renié en démontant, en disant c'est pas vrai, c'est un mensonge, ou bien il a renié en interprétant. S'il a renié
en démentant, c'est un kafir. S'il a renié en interprétant, on va voir. L'interprétation se divise en deux. On va voir, est-ce que son interprétation, est-ce qu'elle a, disons, une excuse dans la charia ou elle n'a pas. Car l'interprétation, des fois, elle a une excuse, une cause qui est valable, et des fois, elle a une cause qui n'est pas valable. Si l'interprète, et il a une excuse valable, yani, qu'on peut trouver dans la langue arabe ou quelque chose comme ça, un hadith live là, il n'est pas kafir, mais il devient fasiq, il devient pervers. Pourquoi? Parce que quand il a interprété, il ne suit plus dans cette chose-là, dans cet attribut, il ne suit plus le minhaj des salaf salih. Mais si par contre, il interprète d'une façon qui n'a pas d'excuse, hein, dans ce cas-là, il est kafir même pour avoir interprété. Taïb, je vais donner maintenant un exemple. Dommage, le Cheikh Rahimallah n'a pas donné cet exemple ici, mais il a donné cet exemple dans un autre livre. L'exemple que je vais donner, c'est à peu près comme ça. Regardez. Je vais dire par exemple, je dis à quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala yani, s'est établi au-dessus du trône. Il dit non, ça c'est pas vrai, tout ça c'est mensonge sur mensonge, c'est khoroto. Voilà, celui-là il est devenu kafir. Taïb. Maintenant on va passer à l'interprétation. Je dis à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, je lui dis, il a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, d'accord, je suis d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Mais, je lui ai cité le verset, où Allah ta'ala a dit, yadah mabsoutatan, que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tendues. Il va dire, d'accord, je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Mais, en fait, les deux mains ici, c'est pas les mains qu'on connaît nous. Les deux mains, ça veut dire par exemple la puissance. Ou bien ça veut dire quoi? Ça veut dire la ni'ma. Non. Qu'est-ce qu'il a fait ici? La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interprété. Moi, je lui ai parlé de deux mains. Tout le monde sait que ça veut dire la main. Et la personne a interprété. Elle a dit non, la main c'est la ni'ma. Ou bien la main c'est la puissance. C'est la qudra. Dans ce cas, est-ce qu'elle est kafira ou n'est pas kafira? Elle n'est pas kafira. Pourquoi? Car justement en arabe, des fois le mot main veut dire ni'ma. Et des fois il veut dire puissance. On dit celui-là, il a une main forte. Ça veut dire qu'il est puissant. Donc celui-là, il est excusé. Pourquoi? Parce qu'en arabe, il y a cette interprétation. Il est excusé dans le coffre, mais il est devenu pervers. Car Al-Sunnah ou Jama'a disent que Allah Ta'ala a deux mains véritables. Ce ne sont pas la puissance et ce n'est pas la ni'ma. C'est deux mains véritables qui lui conviennent. Donc ici, la personne a interprété et dans son interprétation, elle a des excuses. Des excuses car dans la langue arabe, ça peut se dire ça. Mais imaginez maintenant que je lui dise, Allah Subhanahu wa Ta'ala a deux mains. Car Allah Ta'ala dit dans le verset, Yadah mabsoutatan, ses deux mains sont tendues. Il me dit non. Il me dit les deux mains ici. Là, je reconnais qu'il a les mains, d'accord. Mais les mains, tu sais ce que ça veut dire? Je lui dis quoi? Il me dit les mains. Deux mains, ça veut dire une main, c'est le ciel. Et une main, c'est la terre. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a les cieux et la terre. Il les commande. Voilà ce que veut dire ses deux mains sont tendues. Ici. Est-ce que dans la langue arabe, des fois, on emploie le mot main pour dire cieux ou ciel, et des fois, on emploie le mot main pour dire la terre? Ça, c'est jamais vu, ça n'a jamais existé. Donc, son interprétation ici n'est pas valable. Il est devenu kafir. La personne est devenue kafira. Pourquoi? Car, si elle interprète, il faut que son interprétation soit valable, qu'elle ait des excuses, qu'elle ait des délits dans la langue arabe, que le mot, tel mot, on peut l'interpréter. Mais ici, yani, jamais on a vu dans la langue arabe, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, ni dans la langue arabe, que le mot main peut servir à dire yani, le ciel ou la terre. Donc ici, la personne est kafira. Al-Muhim. Muslim,
Jusqu'à présent, est-ce que c'est compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est compris ce que Yanni, je veux dire ici? Est-ce que c'est compris? Alhamdulillah, dame. Ensuite, le cheikh dit une chose très importante. Il a dit, وَإِذَا آمَنْتَ بِاللَّهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ. Et si tu vas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en étant, yani, sur le droit chemin, comme il se doit, فَإِنَّكَ سَوْفَ تَقُومُ بِطَاعَتِهِ مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ مُجْتَنِبَ النَّهْيَ. Alors, dans ce cas, le fruit que ça va donner, c'est que tu vas l'adorer comme il se doit, en faisant les choses obligatoires, en s'éloignant des choses interdites. Car celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, sur le vrai chemin, cette personne-là va trouver dans son cœur quoi? Va trouver dans son cœur, yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand, c'est le plus haut, c'est le sublime. Naam. Et ici, cette chose va se trouver dans ton cœur. La Bouddha en yaqa aussi mahabbat Allah. Donc, cette chose va aussi donner quoi? Va donner comme résultat et comme fruit le fait que tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible, c'est pas possible que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, comme on vient de citer, avec ses noms, avec ses attributs, etc., et que tu l'aimes pas. Et c'est pas possible que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui obéisses pas. C'est pas possible. Quand on aime quelqu'un, on veut appliquer à la règle ou à la lettre ce qu'il fait, ce qu'il nous ordonne. C'est impossible qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne le suive pas. C'est pour ça que Allah ta'ala, il a entendu certains gens dire que nous on aime le prophète, on aime le prophète, il a fait descendre le verset. Si vous l'aimez, naam, si vous êtes plutôt on aime Allah, comme ça il disait, on aime Allah, on aime Allah. Tu aimes Allah, tu aimes Allah. Allah Ta'ala fait descendre un verset comme épreuve. Dites, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez le messager alayhi salatu salam. Tu dis que tu aimes Allah. Allah Ta'ala t'a ordonné de suivre le messager. Donc, c'est impossible que tu aimes Allah et que d'un autre côté, tu ne suives pas l'ordre qu'il t'a donné. T'a donné comme ordre de suivre le messager alayhi salatu salam. Donc, c'est la même chose. Quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'abord le connaître. Quand on le connaît, et ensuite on l'aime, c'est impossible qu'on ne fasse pas ce qu'il a ordonné et qu'on ne s'éloigne pas de ce qu'il nous a interdit. C'est pour cela que toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas ce qu'il lui a ordonné de faire. Ou bien fait ce qu'il lui a ordonné de ne pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa foi est faible, pour ne pas dire qu'elle n'a pas de foi. On dit quoi? On dit sa foi est faible. Plus la foi faiblit, et plus on fait de quoi? Plus on fait de désobéissance. Et plus la foi grandit dans le cœur, plus on a peur d'Allah, et on fait moins de désobéissance. Ça, c'est toujours comme ça. C'est une règle générale. Règle générale. Plus tu vois la personne faire de désobéissance, plus sa foi affaiblit. Et plus tu vois une personne faire d'adoration, mashallah, naam, plus ça veut dire que sa foi a grandi. Sa foi est, mashallah, elle a monté sa foi, mashallah. Naam, il a dit, ça rentre dans l'iman, ça rentre dans la foi. Ça rentre dans la foi. أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. De croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose. Une seconde avant de dire cela, une seconde avant de dire cette chose. Une seconde. Naam. Donc ça rentre dans la foi, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de toute chose. Fauqa, naam, ala arshih, et qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, établi au-dessus du trône. Ça rentre dans le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arshu fauqa al makhluqat kulliha, et le trône au-dessus duquel Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi, ce trône-là, c'est la créature la plus grande, la plus immense que Allah ta'ala ait créée.
La créature la plus grande, la plus immense que Allah Ta'ala ait créée, c'est quoi? C'est le trône. Et le trône se trouve où? Se trouve au-dessus de toutes les créatures. Au-dessus de toutes les créatures. Dans un hadith authentique, le prophète Ali a dit, le hadith est authentique, c'est en ce sens-là, en ce sens. Il a dit, les sept cieux et les sept terres, comparés au repose-pied, comparé au coursier. Le coursier, c'est le repose-pied. Ce n'est pas comme, comme dans beaucoup de livres qu'il y a même en France qui traduisent la Aqida, etc. C'est très très dommage quand ils arrivent au verset de Ayatul Kursi, ils disent le verset du trône, Ayatul Kursi. Alors que le coursier, ce n'est pas du tout le trône. Le trône, c'est l'arche. L'arche, c'est le trône. Le coursier, c'est autre chose, c'est le repose. Le reposoir, ou le repose-pied, ou le piédestal, comme on dit aussi. Naam. Et regardez ce hadith-là est très, très, très clair que il y a coursi et il y a arche, et que ce n'est pas du tout la même chose. Le arche, c'est pas du tout le coursi. Vous allez voir dans ce hadith, il a dit, les sept cieux et les sept terres, par rapport au coursi, par rapport au repose-pied, il a dit comme un anneau qu'on jetterait sur terre comme ça, dans un désert. Imaginez, un anneau, qu'est-ce qu'il est par rapport à toute la terre? Non. Yani, comment trouver un anneau qu'on a jeté comme ça dans un désert? Comment le trouver? Non. Il a dit, les sept cieux, malgré leur grande étendue, et les sept terres, subhanallah l'adhim, par rapport au repose-pied, c'est comme un anneau par rapport à toute la terre. Il a dit, jette un anneau, comme ça, dans un désert, et essaye de voir, yani, c'est quoi, yani, sa taille, c'est quoi son importance, cet anneau, par rapport à la terre. Il a dit, c'est rien, c'est rien. Ça, il a dit. Ensuite, le hadith a dit, et fadl l'arche, et l'importance, disons, la grandeur, de quoi? Du arche, du trône. Par rapport au piédestal, au repose-pied, l'importance et la grandeur du trône par rapport au coursier, au piédestal, c'est comme la grandeur de la terre par rapport à cet anneau. Donc vous avez bien compris comment le prophète Islam a bien cité les deux choses dans la fin du hadith. Il a dit, et la grandeur du trône par rapport au coursier, par rapport au piédestal. Donc, y a trône et il y a piédestal. Et le trône par rapport au repose-pied, au coursier, c'est comme la terre comparée à un anneau. Subhanallah l'adhim. Donc, pour ceux qui se trompent et qui croient que le coursier c'est le trône, on le répond avec ce hadith authentique, authentique. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le arche, le trône, est tellement grand et important, subhanallah, et sublime, qu'il l'a, il l'a, quand il a cité dans le Coran, dans sourate Tawbah, verset 129, il a dit, Rabbul arshil azim, il a dit de lui, en parlant de lui, il a dit, Rabbul arshil azim, et le seigneur du trône est immense, et il est le seigneur du trône immense, comme ça il a dit, et il est le seigneur du trône immense. طيب فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء. C'est obligatoire pour toi, ô le croyant, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est attesté, que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. Yani, c'est le plus élevé au-dessus de toute créature. نعم. طيب. Il a dit aussi. Et que si le trône a cette grandeur qu'on vient de citer maintenant, il a dit, qu'en est-il à la grandeur d'Allah subhanahu wa azawajal? Non. Qu'en est-il à la grandeur d'Allah subhanahu wa azawajal? Fallah azawajal, a'zam, c'est le plus grand, non. Tellement grand que, non, c'est impossible à quoi? Yani à la raison, yani disons, c'est pas de comprendre.
Mais disons, yani de. Non, disons de. De lui donner ce qu'on doit lui donner et le vénérer comme il se doit. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala, yani si tu voulais maintenant par exemple t'asseoir et méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, combien il est grand, tu n'arriverais pas. Tu n'arriverais pas avec ta raison. Non, tu as beau imaginer combien il est grand, c'est impossible que tu puisses comprendre la chose, yani à 100%. Non. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Je vais vous chercher une seconde le verset ici. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Où est-ce qu'il est ce verset? Une seconde. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Taïeb, ce verset-là, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, lui, Azzawajal, il saisit tous les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, lui, Azzawajal, il saisit tous les regards. Muslim, est-ce que tu vois l'akhar? Est-ce que c'est affiché le verset? Alhamdulillah. Même quand les gens seront au paradis, quand les gens seront au paradis, et ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah Ta'ala a dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, il saisit tous les regards. Chauffe, par exemple, toi, il y a disons, un frigo, un réfrigérateur, il est en face de toi. Je te dis, tu l'as vu? Tu me dis, je l'ai vu. Mais en fait, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu seulement ce qui est en face de toi. Tu as vu la porte du frigo. Si on t'ouvre, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, comme ça en étant en face de lui, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas voir son moteur. Tu ne peux pas voir les fils qu'il y a derrière, etc. Ça, c'est pour un rien, un frigo. Tu ne peux pas le voir de tous les côtés. Ça, qu'en est-il pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'en est-il pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'il a dit que les regards ne peuvent l'atteindre. Et là, il y a une faïda qui est très importante dans la aqida que je vais essayer d'expliquer, mais je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais inshallah ta'ala. Ensuite, je vous pose la question si vous avez compris ça. Il y a une règle qui dit en arabe, c'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que c'était très important de comprendre l'arabe. El-Mohim, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais la dire d'abord en arabe, je vais essayer de la dire en français. نفي الخاص نفي الخاص يستلزم إثبات العام نفي الخاص نفي الخاص يستلزم إثبات العام كومون سولا ديزون نفي الخاص لا نيغاسيون دو بارتيكولي نفي الخاص امبليك إثبات العام امبليك لافيرماسيون دو جينيرال. Muslim, est-ce que tu peux écrire Barakallahu fik cette phrase? Écris-la pour que j'explique un peu. Bon, nafi al-khas, la négation du particulier implique la négation du particulier implique l'affirmation du général. Écoute tu fais dit. La négation du particulier implique l'affirmation du général. Chauffe. Si moi, nam, je vais enlever, nier quelque chose qui est particulier, ça veut dire que j'ai affirmé que il y a donc le général. Le général est valable. Vous comprenez? Si je dis d'une chose particulière qu'elle n'est pas valable, donc, puisque j'ai cité seulement une chose particulière, ça veut dire que tout ce qui reste en général il est accepté. Je donne un exemple. Là, je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Ensuite, je reviens à ce verset. Si je vais chez le médecin, il me dit, ne mangez pas les bananes. Ne mangez pas les bananes. Ici, la négation,
c'est sur quelque chose de particulier, un fruit particulier qui s'appelle la banane. Ça implique que c'est permis de manger les oranges et les fraises et les pommes et tous les autres fruits. Car la négation du particulier ici, le particulier c'est la banane, implique que tout autre général à part la banane qui est particulière, qu'il ne faut pas manger, ça veut dire que tous les autres fruits, je peux les manger. Car, si le médecin voulait dire que je ne peux pas manger aussi des autres fruits, donc on va dire de lui, il n'est pas éloquent, il ne sait pas parler. Au lieu de dire tout simplement, ne mange pas tous les fruits, il m'a dit ne mange pas la banane. C'est très facile donc de dire ne mange pas tous les fruits, c'est simple. Vous avez compris? Donc quand il m'a dit qu'il ne faut pas manger seulement la banane, ça veut dire qu'il m'a permis de manger les autres fruits. Muslim, jusqu'à présent, est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est Alhamdoulillah. Donc maintenant, quand on va revenir à notre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, attendez, je cherche le verset, il a dit, voilà le paltok, attendez, peut-être je ne suis plus dans le paltok une seconde. Taïb, j'ai pas trouvé où est-ce qu'il est mon salon, une seconde. Tandis que je rentre dans le salon. Pourtant, normalement, je suis dans le salon, c'est pas Allah l'adem. Mais malish. Subhanallah l'adim, j'ai pas trouvé le salon. Ajib, Allah, ajib. Voilà. Donc, c'est quoi le verset? Est-ce que tu peux m'écrire le verset tout à l'heure? Le verset, c'était, je monte un peu dans le salon, c'était le verset, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, qu'Allah Ta'ala saisit tous les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, qu'il saisit tous les regards. Allah subhanahu wa ta'ala ici a donné la négation en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne quelque chose de particulier. C'est quoi? C'est de cerner Allah Ta'ala par les regards. Donc, la négation d'une chose particulière qui est ici, cerner Allah Ta'ala de tous les côtés et le voir, il a dit c'est pas possible. Donc, ça implique quoi? Ça implique l'affirmation du général. Le général, c'est quoi? La vue. Donc, ça implique la vue d'Allah Ta'ala et que Allah Ta'ala, on peut le voir yawm al-qiyamah. Vous avez compris la règle? Ne mange pas la banane, ça implique que je peux manger tous les autres fruits. Ne pas voir Allah Ta'ala de tous les côtés, qui est particulier, implique que je peux le voir en général. Je peux voir Allah Ta'ala. Contrairement aux Mu'tazilites et Khawarij qui disent que Allah Ta'ala, on ne peut pas le voir yawm al-qiyamah. Et si je devais donner un autre exemple? Pour que vous compreniez encore, il y a cette règle. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant, il y a aux femmes, il leur a dit, attends, il y a un verset clair comme celui-là, il a dit, je le répète comme ça, en majuscule, est-ce que tu vois ce qui est écrit, musulman? En parlant des femmes, des prophètes, Allah ta'ala a dit, en gras, voilà, il a dit, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage. Afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Ne soyez pas trop complaisant dans votre langage. Afin que celui dont le cœur est malade, hypocrite, ne vous convoite pas. Il a quoi? Ici, il y a la négation d'une chose particulière. La négation de quoi? Du fait de parler avec complaisance. Donc ça implique quoi? Ça implique affirmation du général qui est quoi? Qui est le langage. Donc si Allah Ta'ala a interdit aux femmes qu'elles soient complaisantes quand elles parlent, ça veut dire que c'est permis de parler en général, s'il n'y a pas complaisance. Donc, pour ceux et celles qui disent que la femme ne parle pas devant les hommes, en citant ce verset, on leur dit c'est faux. Justement, ce verset a fait la négation d'une chose particulière, la complaisance dans le langage. Donc, ça induit et ça, que quoi? Qu'on peut
Et on affirme le général, qu'on peut parler en général. Ce qui est interdit, c'est seulement d'être complaisant quand on parle. Mais si je ne suis pas complaisante avec un homme quand je parle, donc je peux lui parler. Et d'ailleurs même, le verset lui-même contient à la fin quelque chose de vraiment clair. Il a dit, et tenez un langage décent. Donc voilà une autre preuve que je peux parler. Il a dit, tenez un langage décent. Ce qui est interdit seulement, c'est d'être complaisante dans le langage. Alhamdoulilah, moi je parle avec un homme sans être complaisante. Mais bien sûr, s'il y a un besoin de lui parler, s'il y a un besoin de parler aux hommes. Donc, inshallah ta'ala, on va s'arrêter ici. Il est déjà 22h15. Et on va continuer, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. On va continuer ce prochain cours, inshallah ta'ala, qui, dans la Aqida. Donc, je dis, subhanak lahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On passe directement, inshallah ta'ala, aux questions, si tu es prêt, ou je te donne quelques minutes, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question. Salam alaikum, cher. Qu'Allah Azzawajal vous préserve de tout mal et vous récompense pour votre temps donné. Je voulais savoir comment doit-on se débarrasser d'un talisman que j'ai trouvé chez moi. Il devait être à ma femme et ne se rappelait plus qu'elle l'avait. Je l'ai ouvert, il y avait des écritures en arabe, mais je ne saurais vous dire si c'est du Coran ou non. Tfadal, cher. Et réécrivez-moi le numéro 1, cher, sur le PV. Naam, wa alaykoum salam, quand c'est des talismans comme ça, et des fois ça contient du Coran, etc., et des trucs en arabe qu'on ne comprend pas, des fois le sorcier, quand il a écrit des choses pour contacter le djinn, vous avez compris, pour contacter le djinn, et c'est pour cela que, yani, des fois quand on veut brûler cette chose, on a peur que, en brûlant, on va provoquer les djinns. En brûlant le papier, ils aiment eux, ils aiment le feu, ils sont créés de feu. On va les provoquer et ils vont venir ou ils vont pas, je sais pas quoi faire. Donc si cette écriture, si c'est possible de la mettre par exemple dans de l'eau marqui. On prend par exemple une casserole, on met de l'eau, on lit dedans. En crachant, on lit par exemple Ayatul Kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbi falaq, qul a'udhu birabbi nas, ou bien les versets du sihr. Par exemple, et on laisse le papier à l'intérieur, par exemple, une nuit. Ou alors, avec notre doigt, ou là nos doigts, on met le papier, le talisman, après l'avoir ouvert, bien sûr, on le met dans l'eau et on le frotte pour que l'écriture parte. Ou alors peut-être le lendemain, c'est plus facile de le frotter pour que cette écriture part bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, on jette cette eau, par exemple, s'il y a un endroit, un jardin, où là c'est mieux, sinon, même dans la baignoire, c'est permis. Et bien sûr, on déchire les papiers, si c'est possible, par exemple, de les enterrer, maintenant c'est seulement du papier, il contient plus rien. Ce serait la meilleure chose, inshallah ta'ala. Sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, quand Jibril alayhi salam est venu et lui a montré où se trouvait le sihr avec lequel on avait ensorcelé le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Dans une version, il a enterré le sihr. Il a dit dans une autre version, je me rappelle jusqu'à présent où il est, mais je ne veux pas le désenterrer comme ça, pour que ça ne provoque pas une fitna. Donc c'est bien, inshallah ta'ala, si on pouvait l'enterrer, bi'idhnillah ta'ala, mais après l'avoir détruit, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Une fois, j'ai lu un hadith dans lequel il était écrit qu'il ne fallait pas uriner dans l'eau où on se lave, car cela fait des waswas. Est-ce que ce hadith est sahih ou non? Je précise que je ne parle pas de l'eau stagnante. Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. Tu réponds, dis-moi, inshallah ta'ala, si tu as des questions. Si tu as, inshallah ta'ala, des questions sur le divorce.
Comme ça, tu me dis aussi combien qu'il y en a et pour voir où, quand est-ce que je vais répondre, car j'aime pas aussi les laisser à la fin. À la fin, à la fin. Yani, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Khitamu misk. Non, il a dit la fin, ça doit être du musc. Et nous, on sort après avoir divorcé les femmes. Donc, maintenant, je suis plus d'avis qu'on laisse ça pour la fin. Non. Donc, on doit se débarrasser, on doit s'en débarrasser au milieu, inshallah ta'ala. Taïb. Donc, je réponds à la question. Attends, c'était quoi l'action d'abord? Non, le hadith qui dit qu'on ne doit pas uriner. Non. Dans l'endroit où on se lave, est un hadith authentique. Mais son sens, c'est hein, quand on se lave dans un endroit où, par exemple, l'eau yani, ne part pas. Par exemple, je suis dans ma baignoire, je suis dans la baignoire en train de me laver. Et yani, la baignoire, je l'ai fermée. L'eau ne part pas, vous avez compris. Il y a quelque chose qu'on enlève de la baignoire pour que l'eau parte. Cette chose, yani, cette chose-là qui est ronde et qui est en caoutchouc, le bouchon, voilà, jazakallah. Le bouchon est toujours à sa place et maintenant j'ai envie d'uriner, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais si jamais j'ai enlevé le bouchon et que je suis en train de me laver et que je veux uriner, c'est pas interdit. Car je ne peux pas avoir de SOS, car après cela, je vais jeter l'eau et bien sûr l'urine va partir, etc. Vous avez compris? Donc l'interdiction, c'est quand l'eau va rester, va se mélanger avec l'urine. Ensuite, quand je vais prendre l'eau de la baignoire pour me laver, je vais dire, il y a sûrement de l'urine avec cette eau. Ensuite, je vais avoir de grands SOS. Je vais dire, subhanallah, donc moi, je ne me suis pas lavé, je me suis pas purifié. Je me plie d'urine. Et je vais dire donc ma salat n'est pas acceptée, mon siyam n'est pas accepté, et je vais me remplir de wesouès. Mais si il n'y a pas le bouchon, et que surtout, si je m'approche de l'endroit, il y a du trou, et que j'urine, ensuite je jette de l'eau, et je termine ma douche, il n'y a aucun problème. Et aussi, quand des fois on urine, mais yani, on n'urine pas longuement, juste ces gouttes qui, comme ça qui coulent. Non, tout ça. C'est pas grave, bidna ta'ala, si le bouchon est enlevé. Tfadlal. Ah, monsieur, donc j'ai essayé de vérifier les questions. Et pour l'instant, donc dans les questions que j'ai prises, il n'y en a aucune qui porte sur le divorce. Question suivante. Je vous la mets en PV, inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah. Cher, qu'Allah Ta'ala vous préserve. J'aimerais vous poser une question sur un sujet qui m'inquiète de plus en plus, Inch'Allah. Voilà, cher, très souvent, à cause de mes soucis et chagrins, j'ai du mal à faire des actes d'adoration, et même dans ce qui m'est obligatoire, comme acte, prière, jeûne, etc. Je suis souvent ailleurs. J'ai de moins en moins l'envie de faire des choses qui me rapprochent d'Allah Ta'ala, comme doua, lecture du Coran, ou autre, contrairement à quand je ne suis pas éprouvé, où c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai peur d'être concerné par ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Sourate 22, verset 11. Qu'en pensez-vous, cher? Pouvez-vous me donner le tafsir du verset? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Non, Muslim, jazakallah khairan, j'ai bien entendu la question. J'ai pas entendu seulement les deux premières phrases car j'écrivais, car j'écrivais. Répète-moi seulement les deux premières phrases. Tfadlal. Ah, mes chers, sachez que je voulais également mis en PV. Toutes les questions, je vous les mets en PV, Inch'Allah. Les deux premières phrases. Voilà, cher, très souvent, à cause de mes soucis et chagrins, j'ai du mal à faire des actes d'adoration, et même dans ce qui m'est obligatoire comme acte d'adoration, prière, jeûne, je suis souvent ailleurs. Fadal, cher. Alhamdoulilah, tu m'as rappelé, c'est vrai.
puisque la question se trouve dans le PV, donc je n'ai qu'à lire. Donc je dis à cette personne, pour la rassurer, Inch'Allah Ta'ala, que ce qui t'arrive toi, nous arrive à nous tous. Il n'y a pas une personne qui, yani, lorsqu'elle a des soucis, ne sent pas qu'elle est faible, qu'elle faiblit. Et ne sent pas aussi qu'elle devient distraite à cause des problèmes, surtout des problèmes, yani, des soucis, s'ils sont grands, bien sûr. Quand je dis il n'y a pas une personne, je veux dire une personne de nous, surtout de nos jours et de notre société, et vu, yani, notre foi qui est faible, etc. Sinon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout à fait le contraire. Quand il avait des soucis, il rentrait dans la salat. Allahu Akbar. Kana alayhi sallam, idha hazabahu amr, dakhala fi salat. Le prophète, alayhi sallam, dès qu'il avait un problème, hop, le wudu, Allahu Akbar. Déjà, s'il n'avait pas le wudu, direct, Allahu Akbar, il rentre dans la salat. La salat, c'était la chose, yani, la plus importante qui lui a enlevé les soucis. Et comme j'ai dit plusieurs fois, c'est dommage que maintenant beaucoup de gens, yani, quand ils ont des problèmes, ils quittent la salat. Yani, ils abandonnent la salat, ils disent j'en peux plus, j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de problèmes. Subhanallah, comment, yani, les choses ont changé. Donc je répète, je dis à la question, à la personne qui a posé la question, c'est très normal que quand la personne a des soucis, même, surtout si les soucis sont majeurs, qu'elles deviennent distraites. Surtout pendant les moments où il y a les soucis, pendant la semaine ou le mois, ou bien les 15 jours là, jusqu'à ce que yani, son problème soit réglé. Mais ça n'a rien à voir avec le verset qu'elle a cité. Le verset qu'elle a cité, et que je vais lire une seconde, je vais lire là, Naam, je vais le relire, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il dit en français? Bon, je ne l'ai pas trouvé. C'est dommage. Mousseline, ton PV, yani, où il y avait le verset, et c'est fermé. Est-ce que tu peux m'écrire le verset, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que tu peux me l'écrire? Est-ce que tu peux m'écrire le verset? Inch'Allah Ta'ala. Donc le verset a dit, il est parmi les gens, Naam, Alhamdulillah, qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. S'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Je dis, Naam, ce verset ne s'applique pas à ce que nous a cité la personne. Qu'elle avait des problèmes, etc., et qu'elle devenait distraite dans la salat, etc. Naam, ce verset parlait, ou la parle de certains gens qui rentrent en islam, mais ils disent à condition qu'il nous arrive que du bien. Et le bien ici qu'ils ont cité, la plupart des exégètes, mufassirun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, autrefois les Arabes n'aimaient pas les filles. Donc, entrer en islam, avec l'espoir que Allah Ta'ala va leur donner un enfant, un garçon. Ils disent, et maintenant qu'ils sont rentrés en islam, s'il leur arrive un garçon, oh, ils disent, Masha'Allah, oh, c'est bien l'islam. Naam, chauffe Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est généreux, il nous a donné un garçon. Et s'il leur arrive une épreuve, c'est-à-dire que Allah Ta'ala leur donne une fille, akhlas, ils disent, moi je ne veux plus cet islam, moi je croyais que si j'allais y rentrer, Allah Ta'ala va me donner des garçons. Maintenant qu'il m'a donné des filles, aïe akhlas, je ne veux plus cet islam, et l'apostasie ou l'iyadu billah. Et c'est ça la perte évidente dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Quant à, si Allah ta'ala te donne, toi ici, quelque chose qui te plaît, etc., tu remercies Allah, tu dis alhamdoulilah, etc. Et s'il te donne un malheur, tu dis qaddar Allahu ma shafa'al. Naam, j'accepte ce malheur, et qaddar Allahu ma shafa'al, je prie toujours, mais avec des soucis et difficilement, etc. Tout ça, naam, ça n'influe en rien en la foi de la personne. Et qu'elle est toujours, masha'Allah, mais yani, elle a eu des épreuves, mais elle est là patiente, alhamdoulilah, elle fait toujours sa salat, etc., difficilement, mais yani, qaddallahu ma shaa fa'al. Tout s'en est comme ça, tout s'en est comme ça, mais alhamdoulilah, j'accepte mon destin
et je sais qu'Allah Ta'ala va en faire une solution tôt ou tard. Donc, je fais avec distraction, mais je fais toujours mes prières à l'heure et j'ai un grand espoir en Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il va me faire une issue et que yani, ce nuage va se dissiper. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadhal. Ah, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense pour vos efforts dans cette da'wah bénie. Je suis un frère salafi vivant en Europe. Un groupe de frères obsédés par la science de la réfutation et de l'éloge ont installé une atmosphère infernale. Médisance, dénonciation, réfutation, basée principalement sur l'ignorance, le mensonge et les ragots, le harj. Leurs visages, renfrognes, sans salam ni nasiha, ont installé en moi et d'autres la confusion, l'endurcissement du cœur, l'arrêt de l'apprentissage de la science bénéfique et surtout une très mauvaise image pour le commun des musulmans. Tout cela par prétention de jalousie de vouloir protéger la religion, ils testent et éprouvent leurs frères salafis de jour devant les mosquées et de nuit sur leur blog internet. La règle est simple. Avec nous ou contre nous, si contre ou neutre, le hajj et la mise en garde vous tombent dessus. Qu'Allah le Très-Haut vous préserve, faites-nous une nasiha. Donc, déjà, il faut faire attention de ne pas faire le rapprochement avec la da'wa salafia et avec les salafis, car cela ne fait pas partie de la salafia. Tfadha cher. Non, en fait, ce genre de personnes-là, ça existe partout. Ça existe partout, dans tous les pays, dans presque toutes les villes. Mais alhamdoulilah, 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 que maintenant, il commence à, comment on dit ça, le mot, à devenir peu. Pourquoi? Car tout le monde les fuit. Ce genre de personnes. Tout le monde les fuit. Et que, alhamdoulilah, eux-mêmes, yani, s'ils étaient par exemple 20 dans une ville, après juste un peu de temps, ils vont devenir seulement 15, ensuite 10, ensuite 5, ensuite ils vont plus exister. Pourquoi? C'est comme un feu auquel tu vas jeter du bois. Que va faire le feu? Il va grandir, femte. Il va être attisé, mashallah, les flammes montent, montent, ensuite il n'y a plus de feu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à devenir petit, devenir petit, devenir petit, ensuite il va s'éteindre. Ce genre de personnes, dont la personne est en train de parler ici, ils étaient moi dans mon quartier, il y a combien, 5, 6, il y a 6, 7 ans. Ils étaient à peu près 4 ou 5. 4 ou 5. Non. Maintenant, de ces 5-là, de ces 5-là, n'est resté qu'une seule personne et que maintenant je ne vois que très, très rarement. Les 4 autres ont disparu. Où est-ce qu'ils sont? Allahu alam. Mais pour avoir disparu comme ça veut dire tout simplement Allahu alam qu'ils ne font plus la prière. Une de ces 4 personnes ne fait plus la prière. C'est bien simple. Non. Elle habite à côté d'un ami qui me dit, il me dit, cette personne-là, maintenant, elle ne fait plus la prière. Non, à chaque fois que l'Aden appelle, elle est là, dans le quartier, sur une chaise, avec une cigarette, en train de jouer au domino, je ne sais pas ce qu'elle fait. Subhanallah. Pourquoi? Ces gens-là, non, ne demandent pas la science, ne cherchent pas la science. Une fois, j'ai parlé avec la tête de ces 5 personnes. Je lui ai dit, écoute, toi, du matin au soir, tu ne parles que des gens. Et que cette personne n'est pas bien, que cette personne, les savants ont parlé sur lui, cette personne, je lui dis, ça c'est bien. C'est bien de connaître ce qu'ont dit les savants sur les personnes. Moi, je voudrais savoir ce que disent les grands savants sur telle personne, tel prêcheur, pour savoir si je vais le suivre ou pas. Ça c'est très bien. Mais, réponds-moi à ma question. Mais est-ce que l'islam, c'est seulement ça? Comme ça, je lui ai dit. Je lui dis, est-ce que l'islam, c'est du matin au soir, je parle de ce qu'ont dit les savants sur telle personne? C'est ça l'islam. Depuis que je fais la salat du Fajr jusqu'à salat l'Isha, je parle sur les prêcheurs. C'est pas ça l'islam. Je lui ai dit, l'islam, c'est avant tout
La aqida, que je connaisse Allah Ta'ala avec les noms et les attributs. Ensuite, je lui ai dit à cette personne qui est la tête, je lui ai dit, regarde, par exemple, toi, je vais te poser une question très simple. Dis-moi, quelle est la différence entre Ahl Sunna ou Jama'a et les Mu'tazila, par exemple, là, je lui dis, et les Mu'tazila dans la foi, quand ils décrivent c'est quoi la foi, c'est quoi l'iman, chez Ahl Sunna ou Jama'a et chez les Mu'tazila. J'ai dit les Mu'tazila à l'époque, ou bien j'ai dit les Khawarij, j'ai oublié. Je lui dis, donne-moi la différence. Il n'a pas trouvé, bien sûr, il n'a pas trouvé. Je lui dis, tu vois, je lui dis, toi, je t'ai posé une question dans la Aqida. Tu n'as pas pu répondre. Et du matin au soir, on va parler de ça. Tu te trompes, Yahri. Et Alhamdoulilah, je dis, Alhamdoulilah, les cinq personnes de cette secte-là n'existent plus. Ils sont plus là. Là, ils ont quitté. Ils sont ni à la mosquée, ni Doros, ni Aqida, ni Hadith, rien, rien. Ils ont abandonné la salat. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Ils donnent un très mauvais aperçu sur la salafia. Parce qu'ils disent on est salafi, on suit Cheikh Ben Bas, Cheikh Ben Outaymin, Cheikh Obeid El-Jabili, Cheikh Fawzan, on suit les grands savants. Et les grands savants eux-mêmes, ils mettent en garde contre ce genre-là. Ils disent, si tu téléphones à Cheikh Fawzan ou là, la première question, tu lui dis, qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Il va te blâmer. Il va dire, apprends ta religion. Surtout Cheikh Rabbi, Hafidallah, apprends ta religion. Du matin au soir, tu vous téléphones pour dire ça. Surtout s'il sait que tu es Algérien. Algérien, il va te blâmer. Allô, salam alaykoum. Min Jazair, Jazair. Oh, a'oudou billah. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Aqida ou là tu vas poser sur X s'il est bien ou il n'est pas bien. Ensuite, si tu lui dis c'est pour X, il est bien ou il n'est pas bien, il te raccroche. Et peut-être qu'il va te blâmer ou te dire des choses qui sont pas bien. Non, parce que auparavant, c'était avec sincérité. Avec sincérité, je veux demander à un savant qu'est-ce qu'il pense de X ou Y, parce que j'ai des choubouhettes et je ne sais pas s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il est Ikhwan, s'il n'est pas Ikhwan. Mais maintenant, c'est une obsession. Maintenant, c'est devenu une secte. Femme, je n'apprends rien de la religion. Apprends de la religion que tu me dises telle personne. C'est quoi ses défauts pour que je mette en garde contre elle sur Internet. Voilà, je ne vis que pour cela. Jamais je n'ouvre un livre sur la aqida ou le fiqh ou la sira ou le tafsir. Jamais, jamais, jamais. Du matin au soir, j'essaie de savoir dernière nouvelle qui des prêcheurs on lui a fait, yani, on lui a trouvé une faute ou là un défaut pour que je mette en garde contre lui. Est-ce que comme ça a été les salaf, comme ça a été le prophète Al-Sam, comme ça a été les sahaba, comme ça a été les grands savants? A'oudou billah, a'oudou billah. Il n'y a pas de milieu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ce genre. Muslim dit, Jazair c'est la mise en garde et la France il dit, Naam. La France, si quelqu'un téléphone à un grand savant et qu'il sait qu'il est de France, il sait que la personne va lui parler de divorce. Surtout, surtout, si c'est une sœur qui va téléphoner. Il est sûr, le savant, à 98%, qu'elle va dire j'ai un problème avec mon mari. C'est pour ça que, ensuite, les savants ne veulent plus répondre aux gens de France. Ne savent pas poser la question sur la aqida. Ou alors le tef. C'est le minhaj. Non, c'est sur le divorce. La même chose en Algérie. Si quelqu'un téléphone, c'est pas pour apprendre comment se rapprocher d'Allah. Non. C'est pour savoir si tel prêcheur, yani, il est bien ou là, on le jette. On le jette. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et nous aider pour qu'on le rencontre ravi de nous. Fadlan, une autre question. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hafizakum Allah ajma'in. Ma question concerne la vision d'Allah Azawajal. Est-ce qu'absolument tous les habitants du paradis le verront, Inch'Allah, ou seulement ceux qui seront au plus haut degré du paradis? Les gens qui seront au plus bas degré du paradis le verront-ils? Quels sont les hadiths qui parlent de la vision d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Barakallahu fikum Sheikhana, wa hafizakum Allah. Tafadhal Sheikh. Tous les voilà des questions, mashallah.
Ça fait plaisir d'entendre comme ça une question dans la Aqida. Une question qui m'aiderait à me rapprocher d'Allah. Une question qui, yani, quand j'entends la réponse par exemple, ça me fortifie ma foi. Femme, ça me donne la douceur dans la foi. Ça m'aide, ça. Femme, taïb. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, tous les gens du paradis vont voir leur Seigneur, Allah Azzawajal. Car, comme disent les savants, il n'y a rien au paradis, n'am, qui puisse égaler la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disent les savants, si Allah Ta'ala, n'am, va te dire à rentrer dans le paradis, il va te dire, sans que tu le vois, il va te dire, écoute, je vais te rentrer dans le paradis et te donner tout ce qui est, yani, souhaitable, tout ce que tu souhaites, yani, dans ton esprit, dans ta tête, je te le donne et je t'en donne 10 000 fois, 10 000 fois cette chose. Mais je vais te priver de ma vision. Les savants disent, alors le paradis n'aura quoi? N'aura aucune valeur. Nam. À quoi ça sert moi que je sois au paradis? Je mange tout, je bois tout, j'ai tous les délices, toutes les tentations, et je n'ai plus le Créateur, Azzawajal, qui m'a créé, qui m'a tout donné dans cette vie, et qui lui-même m'a fait rentrer au paradis, et qui m'a préparé ce paradis. À quoi ça sert si je le vois? Vous avez compris? Donc, tous les gens du paradis vont voir Allah Azzawajal. En d'autres termes, tous ceux qui vont mourir croyants, tous ceux qui vont mourir mu'minun, croyants, mu'ahidun, vont voir Allah Azzawajal. Et elle a dit, ou la personne a dit, quels sont les hadiths qui parlent de la vision d'Allah? Beaucoup de hadiths, entre autres, dans Bukhari Muslim, que le prophète a dit, vous verrez Allah, vous allez le voir, sans que, yani, vous vous fassiez mal. Et dans une autre version, parce qu'il a dit, la tudamuna, il a dit, la tudarun, sans que vous faisiez mal, et la tudamun, sans que vous soyez obligés de vous grouper dans un autre, tous dans un endroit. Il a donné l'exemple de la lune. La lune, quand elle est en pleine lune, et le soleil, quand il est au milieu du ciel. Est-ce qu'on a besoin de se grouper pour le voir? On ne se groupe pas. Moi, je le vois de mon endroit. Toi, tu le vois de ton endroit. L'autre, il le voit de sa maison. L'autre, il le voit de sa ferme. L'autre, il le voit de sa voiture. L'autre, il est dans son travail. Il regarde la fenêtre, il voit le soleil. Il a dit la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de se grouper, ni encore de se faire mal en se groupant pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah ta'ala a dit dans le Coran que, et il a cité deux ou trois versets qui disent qu'on voit Allah ta'ala. Entre autres, le verset. Attendez, bon, le verset que j'ai cité tout à l'heure. La tudriku al-absar wa yudriku al-absar. Que Allah Ta'ala, yani, ne peut pas être cerné par les regards, mais que lui, il voit les regards. J'ai cité comment, yani, on peut déduire de ce verset qu'on voit Allah Ta'ala. Et le verset le plus clair où Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, Wujuhun yawma idin nadira, ila rabbiha nadira. Des visages resplendissants de joie, qui vont regarder, il a Rabbiha Nadira, qui vont voir Allah Ta'ala, contre là, très clair. Et le verset où dit, il parle des gens du paradis, il a dit, ils seront adossés sur des divans en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les oiseaux, ils regardent les arbres? Non, ils regardent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le verset où Allah dit, en parlant des kuffars, il a dit, Kalla. Kalla, innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Oh que non, oh que non. Ils seront ce jour-là, il y aura entre eux et Allah Ta'ala, il y aura un voile. Donc Allah Ta'ala, quand il a parlé des kuffar, il a dit qu'il y aura un voile entre eux et Allah. Ça veut dire que les croyants n'auront pas de voile entre eux et Allah. Et s'il n'y a pas de voile, ça veut dire que les croyants verront Allah. Donc dans le paradis, tous les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala.
زيد ان شاء الله اون ودو كيسيون ان شاء الله تعالى. تفضل. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shaykhana. Qu'Allah vous accorde l'apaisement ici-bas et dans l'au-delà. J'aimerais que vous nous fassiez un petit rappel à propos de la bid'a. Une personne m'affirme que pour celles qui ne mettent pas le hijab sont considérées comme des innovatrices car elles ont innové une façon de se vêtir qui n'est pas légiférée. Après plusieurs discussions, où j'ai expliqué qu'elles étaient perverses, pécheuses, mais pas innovatrices, la personne persiste à dire que les femmes non voilées sont innovatrices. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus et nous rappeler les règles autour de la bid'a et du tabdi'? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. La personne qui n'est pas la femme qui ne me voile n'est pas une innovatrice, mais c'est une pécheuse, elle a fait un grand péché. Pourquoi? Il faut d'abord voir c'est quoi l'innovation d'abord et ensuite voir si elle est innovatrice ou pas. L'innovation, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une adoration qui n'a pas de dalil. Maintenant, si la personne a dit qu'elle était innovatrice dans le sens littéraire, yani min haythu al-lugha, dans la langue, naam, innovation, c'est tout ce qui est fait sans précédent. Tout ce qui est fait sans précédent, c'est innovation. C'est pour ça que Allah Ta'ala il a dit, quand il a dit badi'u samawati wal ard, badi', créateur des cieux et des terres. Pourquoi il a employé le mot bid'a? Parce que les cieux et les terres, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cieux et terre avant leur création. Donc c'est une bid'a, c'est une nouvelle création. S'il veut dire ça, yani dans le sens elles ont fait la bid'a, dans le sens littéraire, plus ou moins, mais dans le sens religieux, non. Non, parce qu'elles sont pas, yani lorsqu'elles ne mettent pas le hijab, elles n'ont pas dit ça, c'est une adoration. Enfin, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Non. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Et le mohim, celles qui ne mettent pas le djilbab ou le hijab, celles qui ne sont pas voilées en général, elles ont fait un grand péché. Elles ont fait un grand péché comme celui qui a bu l'alcool, comme celui qui a fait la fornication, comme celui qui a joué à la loterie, comme ça, tout ça, c'est des grands péchés. Elles ont fait un grand péché. Donc pour la bid'a, je reviens jeudi, le mubtadi', c'est plus grave que celui qui a fait un grand péché. Car il y a, dans les péchés, il y a l'association. Ensuite la bid'a. Ensuite le grand péché. Ensuite le petit péché. Vous voyez tellement là, à quel point la bid'a c'est dangereux. Il y a le grand péché. Ensuite en deuxième position la bid'a. Ensuite, il y a l'association. Ensuite en deuxième position la bid'a. Ensuite le grand péché. Ensuite vient le petit péché. Et il faut faire la différence entre quelqu'un qui fait des innovations, entre dire qu'il a fait une innovation et dire qu'il est innovateur. La Sunna ou Jama'a font la différence. Quand quelqu'un fait une bid'a, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est innovateur. Comme quelqu'un qui a fait du kufr, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est kafir. Vous avez compris? Quelqu'un peut faire du kufr, mais il n'est pas kafir. Pourquoi? Ou bien parce qu'il ne savait pas, ou bien parce qu'il n'a pas de raison, c'est un fou, ou bien parce qu'il l'a fait sans le vouloir, ou bien parce qu'il croyait telle ou telle chose, il a une interprétation, donc il a une excuse, il n'est pas kafir. Par contre, tout kafir a fait du kufr. Pas toute personne qui a fait du kufr est kafir, mais tout kafir a fait du kufr. La même chose ici. Une personne peut faire une bid'a, mais elle n'est pas une innovatrice. Pourquoi? Parce que peut-être elle ne savait pas que cette chose est bid'a. Ou alors elle a une fausse interprétation. Elle a une excuse. Elle a entendu un grand savant dire que cette chose se fait. Et elle l'a faite. Ensuite, donc on ne peut pas dire qu'elle est innovatrice. Elle ne savait pas. Elle croyait qu'elle a entendu Qardawi dire que cette chose se fait. Et elle l'a faite, se basant sur les dires d'un savant pour elle. Vous avez compris?
Donc, il faut faire la différence entre innovateur, innovateur, ça veut dire on a établi la preuve sur lui. On lui a dit ça c'est bid'a. Naam. Ça se fait pas. Voilà les délits. Il dit non, moi je fais. Naam. Non, ça c'est bien, ça rapproche d'Allah. Même s'il n'y a pas de délit. Celui-là, c'est un innovateur. Taïb. Voilà à peu près en général ce que je peux dire sur la bid'a. Et que les savants font aussi la différence quand ils mettent en garde. Ils font la différence entre l'innovateur qui fait la bid'a, mais qui ne la propage pas. Et entre celui qui propage la bid'a, yani fait la bid'a, il la propage et appelle les gens à faire la chose. Celui-là, yani, ils mettent en garde contre lui. Et lui font le hajr. Mais celui qui fait juste une bid'a en lui-même, et qui n'est pas yani, innovateur dans le sens propre du mot, c'est-à-dire qu'il sait même pas peut-être que c'est bid'a, celui-là, les gens le conseillent. C'est pas mettre en garde contre lui. Mais il le conseille d'abord. Ils lui disent attention, ce que tu fais, c'est bid'a, il ne faut pas faire, etc. Et même s'il l'a fait, et il n'appelle pas les gens, il n'appelle pas les gens à faire cette bid'a, on met en garde en lui, contre lui. Ou on met pas, suivant, yani il m'a fait assez d'oulma salih. Suivant, est-ce que ça rapporte un bien ou ça rapporte un mal, comme disent les savants. On arrête, Inch'Allah, ici. Mouslim, est-ce que tu m'entends? Je te donne le micro pour la dernière fois. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour fermer, Inch'Allah, ta'ala, le salon? Non, chérie, je n'ai rien à dire. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve et vous récompense grandement pour tout ce que vous faites pour nous et pour la da'wa salafia en France et en général. Jazakumullah khairan, chérie. En tout cas, moi je suis très content, alhamdoulillah. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de divorce dans le salon. Alhamdoulillah, chacun aujourd'hui est avec sa femme. Personne n'a divorcé. Chaque femme est avec son mari. Alhamdoulillah, alhamdoulillah. Ça, il faut marquer la date d'aujourd'hui. Enfin, il faut marquer la date d'aujourd'hui. Tous les couples sont unis, alhamdoulillah. Naam. Tout le monde est avec son épouse. Chaque épouse est avec son époux. Alhamdoulillah, alhamdoulillah. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inshallah ta'ala, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi. Tfadal. Non, mes chers, c'est pour faire passer le message, Inch'Allah, à ceux qui levaient la main et qui, dans l'ordre, étaient avant certaines questions qui ont été posées. Sachez que ces questions que j'ai posées, c'est Cher qui me demande de poser d'abord les questions qui ont rapport donc avec la croyance, la aqida, avant de passer sur les questions d'ordre général. Donc, si vous avez levé la main et que votre question n'a pas été posée, Inch'Allah, il faudra la reposer au cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikoum de votre compréhension. Fada cher. Naam, c'est moi qui lui donne ses consignes. Barakallahu fikoum sunna. Jazakumullah khairan. Inch'Allah, mazinna ensemble. Inch'Allah, que vous poserez toutes vos questions, Inch'Allah, dans les cours prochains, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.